Allez, la première demi-finale chez les prélicenciés avec Dan Monnier, auteur du meilleur départ. On va retrouver Angèle Jacquin également bien placé. Il est en deuxième position alors que Milou Grand-Mouge est en deuxième position. Et pour aller chercher, oui, la troisième place pour l'instant. Et la quatrième place pour Stamgelsin. Et là, le dépilote de championnat, attention, retour également de Mathis Mio pour Beaulieu-Mandaire, alors que c'est toujours Dan Monnier en première position. Le pilote de Beaulieu-Mandaire qui se dirige vers la grande finale en compagnie d'Angèle Jacquin qui est toujours en deuxième position et en compagnie bien sûr de Milou Grand-Mougin à la troisième place. Et pour la quatrième position, eh bien ce sera le pilote de Beaulieu-Mandaire à la place 43, bien sûr Mathis Mio. Allez, la deuxième demi-finale chez les prélicenciés avec le bon départ de Roméo Perrone et le pilote de Cerny aux avant-postes alors que c'est aux Autriches de chanter. Et il a tenté de se poser dans ce premier virage et je crois qu'il est parvenu et aux Autriches pour chanter en première position. Et Roméo Perrone est en deuxième place de l'instant alors que c'est Michel Limo qui est en troisième position. Et oui, Elie Chalumeau toujours en troisième position alors que la quatrième place elle est pour Cerny, c'est Léo Husson. Léo Husson pour l'instant et qui va laisser qualifier lui aussi et pour la grande finale dans cette catégorie de prélicenciés en compagnie donc de Théo Dietrich, de Roméo Perrone et de Elie Chalumeau qui se qualifie.